vous ai pas dit pour Pyram qu'il avait plutôt une tête d'ours, ronde, hirsute, avec des petits yeux. Par exemple, des oreilles très longues, genre épagneules. Ça faisait un klebs pas bien joli, surtout du derrière. Le train d'arrière plus haut que l'avant, des hautes pattes arrière et une grande queue lisse, longue, longue, aussi du genre épagneul. Et le corps frisé, petits poils frisés. Au concours des belles et des bêtes, il n'aurait pas eu le premier prix. Les belles non plus, dites à poil. Je voudrais leur passer l'inspection, moi, aux belles des bêtes. Je les ferais se plus s'exhiber jamais, moi, ces vaniteuses. Il n'y a pas plus abject à regarder que les belles à poil. Oh, que c'est pas à rire du tout, tant d'atrophie. La désolation, c'est cagneuse. Casse-bite vraiment, casse-bite toute, pour que l'humanité reproduise plus, que les amoureux nous foutent la paix, que la faim hurle plus à nos portes, qu'il se trouve plus 80 000 êtres de plus à nourrir chaque matin. C'est pas compliqué. Il n'y a qu'à instituer des jurys qui feront enlever les robes aux belles et les feront défiler au jour. Pas les jambes entremêlées, non, non, telles quelles, bien atrophiées.